Allons ici, regardez, regardez. Comme j'ai expliqué, les noms divins de Dieu vont contre les reptiliens. Parce que je vous ai montré sur le nom New York. Le nom New York est du monde Horus, de Dieu Isis et de ses dieux. Et on a constaté que Christ Allah-Marduk a volé et usurpé le nom New York de Dieu. On le constate sur ça. Ce qu'on vous dit là, Fushim Meadows, Meadows, est du monde Horus. Le nom Corona là, regardez, est de Dieu. Et là, Park, bien sûr, ça se dit donc au monde Horus, dans le langage de Dieu. Mais là, ce qui est flagrant dans tout ça, ce qui est très flagrant, c'est surtout tous les noms qui sont là sont de Dieu. Regardez, New York est de Dieu. Corona est de Dieu, Park est de Dieu, Flushing Meadows est de Dieu. Donc, n'est-ce pas flagrant sur la fin fatale? La fin fatale? Et surtout, on voit le nom Corona, mais il faut comprendre, n'oubliez pas de ce que j'ai montré, souvenez-vous que j'avais montré sur ça. Corona est un nom qui est très très important au monde de Dieu. Corona définit le chemin neuf de Dieu. Vous allez voir de ce qui va arriver. Le tournoi qu'on voit là, de ce qui se passe là-bas, en Amérique, est très très fatal. De ce qu'on voit là, le tournoi au tennis, est très très fatal sur la fin du monde. Corona définit le chemin neuf de Dieu et qui donne 2007. Comme j'ai expliqué, ce nombre neuf est très très sacré au monde Horus et très important. Mais là, regardez. Donc le nom Corona va faire la fin de l'Amérique, va briser aussi l'Amérique. Le nom New York de Dieu va aussi tuer l'Amérique de la bête à sa tête. Mais allons ici. Ce tournoi qu'on voit là, attention à ce tournoi de tennis qu'on voit. Le 6 va tuer l'Amérique. Et qui donne 2007? Le 9 septembre 2020, le 6 va tuer l'Amérique et qui donne 2007? Ayez très crainte, les religieux du Christ. Parce que, comme j'ai expliqué, c'est là que le nom Corona de Dieu va se lever contre vous. Et aussi le nom New York. Vous avez compris sur ça. Tous les noms divins de Dieu se lèvent tous contre vous et font votre fin.